C'est Thomas et Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Grenelle pour une nouvelle vidéo. Et là, les gars, bon. Là, on est pas mal en tout. Il est quelle heure, tiens, d'ailleurs? Ça va, ça va. Donc, les gars, je vais vous faire un petit point sur la map. Donc, sur la map, j'ai été chercher en off à peu près les runes, toutes les runes qu'il y avait en bas à gauche, on va dire. Hein. Tout ce qu'il y avait sud-est, sud-ouest, pardon. Sud, ouais, ouest, sud-ouest, un peu nord-ouest aussi. Voyez en haut là, tout ce qui est côté ouest, en fait, j'ai fait pratiquement toutes les runes. Et le truc, en fait, les gars, attendez, c'est que quand on va dans les runes, donc ça, c'était dans la partie 1. Voilà, j'ai fini cette rune là. Vous voyez? Alors, l'arme de sang. C'est une histoire d'un père au cœur brisé. Ils ont pris leur pagaie, là où la fille rencontre Mère la Grande, autrefois bleue, désormais rouge, et le souvenir du garçon coula tout au fond. La moindre réminiscence soulagera la douleur du père. D'accord, donc celui-là, il m'en manque pas beaucoup, et celui-là, voilà. Et alors celui-là, les gars, et en fait, celui-là, attendez, j'avais vu un autre truc aussi. Préparer à brûler le nain, ça c'est gagner la confiance, remplacer l'antenne cassée, trouver et fouiller le lieu du drame familial. Voilà, il y avait ça. Et en fait, ça, les gars, j'ai trouvé ça. C'est bah au camp des pêcheurs. Au camp des pêcheurs, je pense que voilà, il y a un petit truc qui se passe au camp des pêcheurs. Donc bah écoutez les gars, on va y aller tant qu'on a de l'énergie, on fonce. Et puis on verra bien là-bas. Comme ça, dans comme ça, cette partie-là, toute la partie ouest de la carte, je pense que ce sera validé. On aura tout fait. Après, il nous restera le nord et l'ouest à faire et l'est à faire, et comme ça, on sera plutôt tranquille. Donc, allez, c'est parti, les gars, on y va. Donc, on a quoi comme arme? Ouais, ça va, on est équipé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop traîner. Je voulais juste te voir. Bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut en pansement. On est plutôt pas mal. On s'est refait une petite santé, histoire de dire. Donc, là, non, là, normalement, ça devrait être pas mal. Donc les gars, on se retrouve bah, au camp pêcheur. À tout à l'heure. Oh les gars, je suis arrivé. Petit camp de sauvage. D'accord, mais lui, il est excité celui-là. Là. Hein? Un petit camp de sauvage. Y a rien ici. Non, y a que des cocotiers. Bon, écoutez, on a l'énergie les gars. On va essayer de. Hein ouais, lui, il est pas bien lui. Tu vas la fermer un peu, tu vas voir, ça va te faire du bien, t'inquiète pas. Tu vas mourir dans pas longtemps toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Normalement, toi, dans pas longtemps. Eh mais, tire! Pourquoi tu tires pas? Ça y est, il est mort. Ça y est, il est mort celui-là, mais alors, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Ah d'accord, j'ai plus d'armure de ce côté-là. Ok. Ah mais déjà tu l'as retiré, ce serait mieux. Donc je pense que c'était là-haut, non? Ouais. Ouais, une petite entaille. Petite entaille vite fait. Oh, c'est pas méchant, j'espère qu'il y en a qu'une. Mais ouais, d'accord, c'est parce que toutes mes... Ok. Bon. Ouais, écoutez. On va se la faire à l'ancienne, je crois. Hein? On va pas se casser la tête avec ça. Je crois que lui, il est tombé par là. Ouais, il est tombé. Ouais. Hein? Donc toi normalement mon copain, tu dois avoir quelques petits trucs à moi. Ah ouais, dans le bras. Ok. Ok, d'accord, je comprends pourquoi t'es pas mort tout de suite. T'inquiète pas, je vais m'occuper de tes potos. S'ils sont là, tes potos, je vais m'occuper d'eux là. Personne dans le camp là. Non, y a personne. Bougez pas. Je vais vous libérer mesdames. Ne vous inquiétez pas. Allez vas-y. Bouge par contre. C'est pas là par contre madame. Hein? Ouais bah les gars. Ok. La nouvelle masse tribale. Je veux voir un peu ça là. Oh oui. Protection. Protection. Ah bah voilà les gars. Là on va fighter un peu là. Et je suis plus lance moi quand même hein, que tout ça là. Mais je crois qu'il fallait tout détruire ici. Est-ce qu'on peut détruire avec ça?
bah ouais, on peut tout péter avec ça. Ah ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon, les gars. Parce que je crois qu'il faut casser leur village en fait pour récupérer encore des points. Ne bougez pas, on va tout péter. On pète tout. Ok. Archer. Archer, archer. Bouge pas. Merde, 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 le con. Donne-la-moi. Ah la patate mon frère. Ah la patate. Patate de forain. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et lui 85. Alors on va récupérer celui-là si ça te dérange pas. Je t'ai mis une patate de forain lui. Il a rien compris. Donc attendez, j'avais encore du boulot. Non. Si si si. Voilà. Grand camp détruit, obtenu 40 points de confiance. Bon bah voilà les gars. Donc non, moi faut que j'aille à l'ouest. Donc ça, ça. Et l'arc qui va bien. Et bah c'est plutôt pas mal les gars. Hein. On s'est plutôt bien, bien défendu sur ce coup-là. Ça fait plutôt plaisir. Donc c'était par rapport à cette rivière les gars. Parce qu'en fait il dit chercher une pagaie ou je sais pas quoi pendant un moment dans un dialogue. Et en fait le truc, bah, pour moi là, quand on va prendre la map, attendez, on va prendre la map deux petites secondes. En plus on est bien ici, il y a tout ce qu'il faut. Eh oui, il y a quelqu'un qui m'avait laissé dans les commentaires que oui, les personnes qui sont malades, on peut les soigner avec le charbon. Et c'est vrai que j'ai pas repensé au charbon, donc là je vais en reprendre quelques-uns les gars. Hein, ça pèse, bah si, ça pèse quand même 100 points. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais, ça prend de la place. Voilà. On va reprendre de l'énergie. Voilà, parfait. Un peu de boisson. Parfait les gars. Là on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi c'était ici. Pour moi c'est ici. Donc comme je vous disais, on va prendre la map. Voilà. Et les bras de rivière où on peut naviguer vraiment, je pense pour moi c'est celui-là. C'est celui qui est là là en or, qui est au nord nord-ouest qui part du 52. Enfin, qui est celle qui entoure l'île Bambou en fait. Hein. Celle qui est là, hein. Cette rivière qui est là, donc je pense que dans cette rivière là il doit y avoir quelque chose. Ou alors si c'est pas dans cette rivière là les gars, ce sera au niveau du camp Anaconda peut-être. Ou alors au niveau du camp Anaconda, parce que toutes les autres rivières en fait on peut marcher dedans, et... enfin on peut marcher. Oui on peut marcher dedans, donc je pense pas qu'un bateau puisse aller dedans. Enfin un bateau, une petite barque quoi, je pense pas que les petites barques puissent aller dedans, donc pour moi il y a vraiment que dans celui là où on peut faire les trucs. Mais alors le souci les gars, c'est que... Le souci les gars, c'est qu'il y a du piranhas ici. Il y a du piranhas. Donc s'il faut aller dans l'eau... Avec les piranhas, on est mal barré quand même. Puis j'ai pas ma tétaille d'oxygène. Donc on va explorer vite fait comme ça là. On va pas trop traîner surtout, parce que vous voyez ils sont déjà là eux. Je vais peut-être d'abord faire le coin. Faire le coin là-bas. Là. Et après, au pire, je repartirai direction la mer. Donc, j'ai fait là, déjà cette partie-là, il n'y a rien. Donc, on va voir. Hein. Peut-être que je me suis planté, ça n'a rien à voir. Mais je pense pour moi que voilà, il doit y avoir un truc dans cette rivière-là. C'est quand on prend le truc. Attendez. Quand on va prendre la fable. Elle est où la fable? Non, celle-là non, celle-là non, celle-là oui. C'est l'histoire d'un père, nanana. Ils ont pris leur pagaie. Donc là voilà. Là où nanana rencontre la grande mère. Là où la fille rencontre mère la grande. Donc vous voyez, c'est bien. Pour moi, c'est la rivière quand elle rencontre l'océan, quoi. Un bras de rivière quand il rencontre l'océan. L'autre fois bleu des armées rouges, ça c'est peut-être parce que bah voilà, ils ont perdu quelqu'un, les souvenirs du garçon coula au fond. Voilà. Le moindre... Nanana. Pour moi, c'est par ici, les gars. Pour moi... Attendez. Trouver la fouille... Trouver et fouiller le lieu du drame familial. Pour moi, ça doit être là. Pour moi, ça doit être ici. Donc, on n'a pas de chance parce qu'il pleut, comme d'habitude. Hein, moi, j'ai jamais de chance sur mes parties. Mais pour moi, ça doit être... Il doit y avoir un truc par là, sûrement. Donc, les gars. Nouveau lieu. Pagaie. Ok. Bracelet. Ok, chicoté. Chicotage, chicotage.
Chicotage, les gars. Nouveau dialogue débloqué. Vite, 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 les gars, parce que là, je me suis fait chicoter par un... Par un... Bah voilà. Par un piranha. Saloperie, là. Saloperie de bestiole. Ah, puis pas qu'une fois, en plus. D'accord. Pas qu'une fois, en plus. Ah non, pas qu'une fois. Ah oui, les mecs, ils avaient la dalle. Ok. Ah, faut que je refasse de l'armure aussi, les gars. Faut que je refasse de l'armure. Comme on est au camp bambou, je pense que, les gars, on va se faire de l'armure ici. Ah. On va prendre un peu d'énergie, ça fait toujours plaisir. Alors, pensez à retrouver de la moulinaire aussi, parce que là, j'en ai utilisé déjà pas mal. Il y avait un truc. Nouveau dialogue débloqué. Tac, tac. Hop. Montrer le bracelet à l'ancien. Ok, c'était bien là. Le drame familial était bien là. Ok. Donc alors, attendez. Donc celle-là, normalement, ça devrait être fini. Donc là, on va pouvoir retourner voir l'ancien et voir un petit peu ce qu'il va dire l'ancien. Par rapport au bracelet. Donc bah écoutez, ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Donc là, 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 tout ça, on s'en fout. S'il y a le gosse qui est là-bas, j'aurais bien ramené le gosse, mais alors... Fou bordel, le gosse. Il fout le bordel, le gosse. Attendez, il y avait des petites noix, là, que j'ai vu. Et ça, on va récupérer. Et on va retourner par là-bas, là. On va retourner par là-bas, essayer de, bah, de récupérer le petit gosse et de retourner au village. J'ai bien dit, on va essayer. Ça s'est pas dit. Et j'avais pas un indigène là-dedans, là. Il n'avait pas un soigné ici, là. Si, peut-être, hein. Attendez. On va aller faire un petit tour. En espérant pas que je me fasse pas chicoter par les piranhas encore. Mais avant de se barrer d'ici, voilà, comme ça au moins on aura tout fait. Donc je vais juste retourner, vite fait voir. Au niveau de la grotte, là. Ah, je me rappelle plus, est-ce que ici je l'avais soigné ou pas? Ou est-ce qu'il fallait en soigner un ici? Je sais plus trop. Ouais, il y en avait un ici, les gars, c'est ça. J'ai bien fait de revenir. En tout cas, j'espère que c'est ça, quoi. Ah, t'as la gerbe. Toi, voilà, du charbon aussi, les gars. Jaco, t'inquiète, Jaco, il est là. Il t'a aidé là, t'as vu? C'est bon. Respire par le nez, ça va aller mon frère. Allez, on peut se barrer. Donc le truc, ce que je vais faire aussi les gars, c'est que je vais pas vous... comment dire? Bon là on va aller chercher le gosse, comme ça je vais vous montrer où il est. Mais je ferai pas le trajet du retour avec lui, parce que sinon il va vous casser la tête. Déjà moi il va me casser la tête. Mais alors à vous, ça va être pareil. Hein. Je vous explique même pas, hein, comme il gueule, vous allez voir. Vous allez voir ça. Ah il est là-bas. Il est là-bas le petit gamin. Vous voyez, il va juste être là, là. Voilà. Donc là, on va aller l'attraper direct. Hein. Ouais, fais pas le malin. Viens ici. Ah non, c'est vrai. Je peux pas le lâcher. Voilà. Par contre, je suis lourd. Par contre, je suis très lourd. Je suis très lourd. Je peux pas. Bouge pas, mon frère. Bouge pas, j'arrive. Casse la tête celui-là. Là. Viens ici là. Voilà, c'est bon. Ouais, ferme-la un peu là. Ferme-la un peu là, ça fera du bien. Donc là, ce qu'il faudra que je retrouve, les gars, c'est l'ancien camp. Donc, comme je vous disais, hein, ils arrêtent pas de râler ces gosses. Ils arrêtent pas de râler ces gosses. Donc là, c'était où? Là, c'était la rivière. Donc, le petit lac. Ok. Mais tais-toi! Oh là là là, c'est pour ça que je vous disais, les gars. Écoutez, on se retrouve au camp, c'est mieux parce que. Vous voyez un peu? Toujours en train de râler celui-là. Toujours. Donc, à tout à l'heure. Ça y est, les gars. Ah bah, putain. Enfin. Enfin, parce qu'il me casse la tête celui-là. Un truc de fou. Donc, ça tombe bien, comme il fallait qu'on revienne. On va pouvoir le déposer là et on va pouvoir donner le truc à l'ancien. Petite ration militaire. Ah, hé! Hey.
Voilà, petite miniature, ça va donner ça. Donc, voilà. Déjà, toi, ferme-la un peu, ça fera plaisir. Voilà, merci bien, mon petit pote. On a combien de nutriments? On est pas mal. Et donc, maintenant, alors. Pas l'ancien, j'ai trouvé ça dans la rivière. Ah non, je ressens pas un chasseur, mais en tout cas, je l'ai retrouvé. Légende terminée. C'est bon, les gars. Ça, c'est bon. Donc, voilà. La légende, première légende terminée, ça c'est fait. Ok, légende l'arme de sang. Et alors, au niveau des copains ici, 555. On est bientôt à 1000. On est bientôt à 1000. Détruire les camps. Ah oui, donc là. Ouais, c'est pareil. Attendez. Là, remplacer l'antenne cassée. Faudra que je retourne sur l'un, préparer la main, gagner la confiance. Ceci, cela. Ok, ça c'est fait. Ce que je voulais voir, c'était sur la map. Alors, sur la map, on a le village. Là, on est en 46-26, les gars. Comme vous voyez, au village, à la tête de du boss, là. On a découvert le village qui est en 49-23, qu'on a démonté. Et on a découvert la fable... Enfin, non, pas la première fable. Et on a découvert la première la première légende. Voilà, première légende validée, l'arme de sang. Maintenant, il va nous en rester deux, je pense. Parce que là, pour l'instant, j'en ai que deux. Donc, la danse de la mort et don de la jungle. Donc vous voyez, il me reste encore 3 runes sur celui-là. Et celui-là, il m'en reste encore 2, 4, 6. 6 à trouver. En sachant que j'ai encore tout le nord de la map à fouiller. Et tout l'ouest encore à fouiller. Donc bon, ça va. Ça va, ça va. On a fait une bonne partie. On a sauvé un indigène. On a récupéré un petit aussi. Voilà, ce petit foufou là. On a récupéré ce petit foufou. Le bracelet en fait, bah il nous l'a mis ici. Est-ce que je peux prendre la ration? Ouais. Le bracelet qu'on a trouvé, il nous l'a mis là. Ok. Et bah écoutez les gars, plutôt pas mal hein, pour cette petite vidéo là. Je pense que c'est pas mal. Donc on va s'arrêter là-dessus les gars. Laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc bah portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.